créer le promo, chapeau. Parce que nous, on a tout corridor, on a tout point. Quel que soit côté événement, créer le promo là. Créer le promo, chapeau. Félicitations, nous ne pouvons jamais bouquer. Félicitations. Comme Madame l'a expliqué, là, nous avons un groupe
Encore une fois, bonjour tout le monde. Et non pas M. Robert Thomas, mais assembleur dans la société du Mambo Rocco. Et on travaille dans la société du Mambo Rocco dans le département de l'Isman depuis plus de 11 ans. Bien que nous nous informés de situation hein, et que nous déjouons feedback sur quelques échantillons, le premier recours nous c'est de faire analyse échantillon ça. Le principal données que nous devons analyser, c'est des données techniques et qui vient par qui paramétrer sur l'échelle internationale. Nous avons un pH qui c'est niveau acidité dans le continent. Et nous avons un profil alcoolique. Et ensuite, nous avons une teneur en alcool conduit. Ensuite, nous faisons recours avec le méthanol dans le produit. Niveau acidité produit, niveau acidité produit qu'on peut faire, l'idée dépassé le standard international. Nous avons besoin de 5.18 à 7.2 comme moyenne, tandis que le standard c'est 4 à 5. Nous avons besoin d'une variation dans le niveau de teneur alcool. C'est-à-dire, teneur en alcool produit qu'on peut faire, il n'est pas respecté, il n'est pas stable. Et la variation, ça, il va aller au-delà de 40 et 45. Nous devons jouer l'échantillon qui est 1047.
L'autre point qui est important pour nous, c'est le niveau méthanol qui est dans le produit. Je vais vous dire que le méthanol, c'est une substance qui est présente dans l'environnement, qui est vraiment toxique par rapport à nos internationaux. Le niveau de méthanol qui est dans le produit, ça, il est vraiment excédé. Nous avons en moyenne 87,413 microgrammes sur 100 millilitres sous chaque échantillon qui est analysé. Tandis que l'homme international, il a varié en 3,5 à 220 mg par minute. Donc, nous avons fait au niveau du côté de l'Europe, et nous avons fait, nous avons mis le ministère du Commerce au courant des situations. Ensuite, nous avons des distributeurs qui permettent et nous faire connaître les problèmes qui existent sur le produit pour identifier et signaler contre contrefaçon. Actuellement, nous avons une campagne d'éducation qui est lancée dans tous les médias qui va permettre de nous éduquer et informer davantage la population sur packaging Wombo. Et Wombo pour la travail en collaboration avec l'autorité pour permettre nous identifier ou pas de confisquer et éliminer définitivement contre façon ça. Ça, c'est une présentation de comment nous allons reconnaître l'actuelle bouteille Wombo. Si la part, pour nous reconnaître, la bien Wombo dans le bouchon. Bouteille en marron et consommateurs doivent toujours chercher le logo à son étiquette là. Haïti écrit en blanc en bas le bouchon dans l'étiquette là. Et leur passé pour être en bas bouteille là, pour que vous écrit en bas. Pour vos bouteilles, toujours chercher couverture plastique pour les lois. Toujours chercher bouchon en bas. Bois à étoile dans le courant. Et toujours assurez-vous que le bouchon de liège n'est pas abîmé. Toujours cherchez les médailles qui imprimées sous l'étiquette là, dans la façade là. Et Haïti écrit sous l'étiquette dans le courant. Merci. Ok, merci Jean-Marie Bonton pour le partage de ces détails avec vous. Pour conclure, je voudrais rappeler encore que nous lançons ce matin une campagne d'information pour éduquer les consommateurs pour ne pas prendre en formalite et pour sensibiliser la population sur sa capacité sur le marché. Okay? Et donc, nous avons dans le casque, nous avons un exemple poster qui a résumé tout le message dans le signe. Okay? Et puis, on a fait aussi un spot publicitaire qui va passer dans la radio pour tout le monde qui a commencé à passer. Donc, quand on a visé tout le consommateur qui a acheté et qui n'a pas beaucoup, mais aussi, mais, nous voulons rappeler nous que c'est pour nous consommer de manière responsable à l'école. Ma compte est sous collaboration de tout le monde. Donc, non seulement le public général, mais aussi distributeurs grossistes détaillants et tout fidèle et loyal consommateur barbecue pour lui signaler tout produit suspect, soit l'autorité compétente, soit à barbecue. Ce concept va préserver l'authenticité barbecue qui sont fiers internationales, donc pas bien ça, c'est pour nous protéger et que nous parlons de la fourmarite pour la continuer à patrimoine national. Merci. Est-ce que nous devons jouer une origine produit contre ça aussi? Et on travaille sur ça. Nous pas qu'à, comme c'est une enquête, nous pas qu'à dévoiler plus d'informations parce que si on va être à dérouler la guerre, nous pas qu'à dire plus. Allez, et citoyen, si vous êtes capable de chita, vous êtes capable de faire la différence qui gagne entre l'original là et vous pouvez apprendre, s'il vous plaît. Vous avez des bouteilles là en même. Ou dit mais ça original là et puis on va identifier qui ça fait l'original. Même bouteille là même. Bon, mais on va tout faire.
Si on regarde déjà pour ça, on va voir que l'étiquette là, c'est pas une étiquette déjà normale. Il est usagé, il est trop souillé. Et on va voir qu'il y a un dépôt de passer sur l'étiquette ça. Alors, on a pas gagné tout, c'est voir que la couleur. Le fond ne permet pas de distinguer les couleurs. Mais le fond. Oui. Oui. À cause du fond, où on a des parties, il n'est pas facile pour vous éditer parce que vous faites du blanc. C'est blanc. Ça, c'est vraiment beau pour l'un, ça, c'est pour l'un. Mais c'est pour prendre que chaque bouteille est différent. Donc, quand j'ai une bonne bouteille et produire plus que noir, ou j'ai une bouteille couleur claire. Donc, il n'y a pas de standard et de qualité, c'est-à-dire sur couleur, sur tout pareil. Donc, ça, c'est vrai, ça, c'est faux. Bon, et. Comme m'a dit Mme Gardier, il y a des signes qui clairs que vous n'avez pas besoin de très scientifiques. Ok, il y a des chiffres. Ok, parce qu'il y a des échelles pour vérifier couleur qu'on produit. Et nous-mêmes, nous avons une échelle, mais déjà, regardez ouais, que le produit aura en général plus foncé que 3 étoiles réelles pour le monde. Ok? Et pas qu'à l'intérieur de la technique, mais c'est déjà un premier signe. Okay? L'autre signe, c'est que sous un cœur, vous voyez quoi, c'est que toute la volée de la volée est odeur entièrement différente. Son odeur, le même coup, il a dit qu'ils ont absence d'odeur, alors que vous dites, oui, ça confirme. Et. Ok? Odeur froide. Par une odeur vivante, ok? Odeur très pâle, alors que par exemple, son produit qui veut buter pour un arôme qui est très riche et très complexe, ok? Bon, à part de ça, comme on dit tout à l'heure, nous avons différents pH au niveau de l'acidité, nous avons un bon pH qui est là, et même un bon pH qui est général du haut, ok? L'autre chose, bon, on va pas parler de détails, mais dans le lieu encore, mais quand nous avons un bagage remarqué, nous avons un bon pH, c'est que moi, par exemple, tu dis mettre ma mère dans le côté qui est mais s'il vous plaît, bien pour même, tu dis mettre vérifier si pour la trouble et pour du IRA plus trouble que par le monde. Ok? Et ce qui t'a signifié que typiquement, il était rajouté en bagage à l'homme, mais pas qu'à avancer ça, que pas bien pour le monde. Ça nous est dit, mais pour la trouble ou quand il y a des particules là-dedans. Le moment où tu sortis ma beaucoup, tout le produit au fil. Ok, plusieurs fois, il y a une double triple filtration. Donc, on ne peut pas faire des couleurs. Après, c'est le plan fond et on va pouvoir défendre les particules par contre de surface. L'information qui est à l'eau, qui est à mourir, qui est malade dans un pour le excusez-moi, je me demande ça tout à l'heure. Et si nous arrivons à jouer les faux produits, pour qui ça ne nous pas mobiliser avec nous qui a fabriqué là. Et le deuxième, pour nous qui consomme les faux produits, nous qui insistons sur qui ça a avec nous qui consomme. Et puis troisièmement, nous même entreprise, pour qui ça d'après nous-mêmes, pas des gens qui a fait faux avant nous. Est-ce que c'est pour faire l'argent ou est-ce que c'est pour nous? Bon, et moi c'est ça, c'est plusieurs questions en question. Donc ma step by step. Et le premier bagage, c'est que nous téléphonons à MSPP, nous parlons à la commissaire du commerce, nous parlons à plusieurs groupes hospitaliers, et non seulement Port-au-Prince, mais aussi en Port-au-Prince, et ils ont dit nous, ils n'ont pas joué un cas, et ils n'ont pas réussi à s'en prendre un cas. Okay? Donc, ça, c'est le premier bagage, et nous t'étendons soi-disant sur un bagage de sur Internet. Nous contacter nous y nous marchons pour se voir nous y nous pas mal nous au téléphone, nous pas mal nous contact non plus. Donc, nous pas qu'à et joindre le consommateur directement et affirmer. Ok? Ensuite, et faut vraiment pour l'un, bon, parce que c'est un produit qui est chaud, c'est un produit qui vend, et malheureusement, c'est un bagage qui existait dans notre pays. C'est pour nous connaître que bon, ça c'est un produit que l'on vend beaucoup moins cher que beaucoup normal là. Donc,
Oui, M. Président, on a fait un propre souli. Mais, vous connaissez, il y a des gens qui m'ont malhonnête. Et malheureusement, c'est une entreprise malhonnête qui a fait ça. Donc, c'est pour nous avertir les consommateurs, pour nous pas faire ça. Et pour nous-mêmes, pour camper, produire ça, tout ensemble, et nous pourrons pour nous combattre comme ça. Est-ce que vous remontez la origine qui a fait là? Non, on travaille sur ça, mais pas qu'à l'ouvrir dans trois détails à cause de détails de la situation. Mais nous portons plainte au parquet, nous portons plainte au ministère de la Justice, nous portons plainte au ministère du Commerce, et nous travaillons en collaboration avec MSP et tout pour nous capables de plus d'informations. Ok, alors non, pas M. Grégory Jean-Philippe, là pour Radio Télévision Caraïbe. Nous remettons exactitude dans le détail. En attendant que nos batailles contre et foi, et par rapport avec Odol, on a parlé tout à l'heure, et il y a des gens qui ont fait, ils ne gagner pas bon quoi par devant. Donc, du coup, si vous avez un shot, qui façon vous êtes capable d'identifier, est-ce que c'est l'inodore totalement ou bien l'inodore odeur? Comme c'est nous-mêmes qui nous parlons au-delà. L'inodore odeur, c'est quoi que c'est un gagner ou. Je ne sais pas où faire, mais il n'y a pas de gagner. On nous dit que le produit ça qu'il faut, hein, il est pratiquement inodore, ok, il a une couleur pratiquement foncée, ok. Ensuite, teneur en alcool, là, il a une certaine variation, c'est-à-dire il n'est pas stable en alcool. Ok, madame, mais au fort de tout ça, si qu'on y a la commune qui gagne des doléances que tu as me fait passer à la société Barbanco, il fait quoi? Est-ce qu'il y a des numéros, il y a des points de contact? Ok, donc quand on va expliquer, nous, ça, c'est pas un produit Barbanco. Barbanco n'a pas un dossier de responsabilité, qualité, il y a un monde qui a fait la malhonnêteté. Pour y avoir un conseil à dire, pour y avoir un sac d'huile sous un mot, et puis pour y avoir un premier sac d'huile là, il y mettait, on va, on l'a d'huile là-dedans, et puis leur blanc noir, c'est pas même d'huile là pour acheter. Est-ce que le monde qui t'a fait premier sac d'huile, le responsable de son local calendrier a fait? Non, on ne peut pas en laisser. Le seul bagage qu'on a fait, c'est arrêter la population pour combattre contre la façon et qu'on a compris pour lui ça. Ok, next pour Baba, est-ce que c'est quoi des fois les victimes contre la façon? Bon, dans le petit sous-table là, Créole pour mon SPS, son choix qu'il dit. Bon, créole pour mon SPS, son choix lui. Et moi, c'est créole pour mon SPS, fait choix par le tout. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec créole pour mon SPS. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel. On sous pigou plateforme. Pigou plateforme. Plateforme qui est là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui est là pour le bon bagaille, Jean Yoyia. Toujours abonné, toujours partagé,
toujours commenter. Et nous attendons pour demander qui sont besoin, qui sont à remettre et qui sont plus tôt. Créole pour moi, sans en souffle. Ciao.